coach, bienvenue sur ce 7e webinaire. C'est la 7e fois que l'on se retrouve durant ce confinement. 7e fois où à chaque fois, vous avez eu des intervenants de qualité. Vous avez eu systématiquement des personnes que je vous ai choisies, qui sont des personnes qui sont très, très objectives, qui connaissent bien notre secteur d'activité. Et ce soir, on a un invité qui est quelqu'un que je suis depuis très, très longtemps. On se suit tous les deux parce que on a la même durée dans le secteur d'activité, à quelque chose près. On se connaît depuis très, très longtemps. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact sur notre secteur d'activité. Et certains d'entre vous le connaissent aussi puisque ça a été votre instructeur. Je vous présente Pierrick Limousin qui est juste à côté de moi, qui aujourd'hui, alors qu'il a travaillé pendant pas mal d'années dans un grand opérateur que vous connaissez, qui est Les Mills France, c'est-à-dire Planet Fitness, et qui ce soir est là en tant que consultant, puisqu'en fait, il est devenu consultant des clubs et des patrons de clubs, c'est pour ça que je l'ai invité, et il a pas mal de choses à nous raconter. Donc, on va partir avec Pierrick dans quelques instants. Sachez que ce soir, on va vous parler de pas mal de petits secrets, pas mal de petites nouveautés qu'on n'a peut-être pas évoquées sur les webinaires précédents. Pierrick, bienvenue parmi nous ce soir. Je te laisse la parole pour te présenter à ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore. Merci Christophe pour l'invitation et merci à tous de m'accueillir dans vos foyers respectifs hein, parce qu'on est tous confinés par rapport à ce qu'a pu nous dire le Premier ministre. Donc, comme l'a dit Christophe, donc Pierrick Limousin, actuellement j'habite Versailles, j'ai 48 ans. Ça fait 27 ans que je suis dans le milieu du sport. Alors mon parcours, je ne sais pas si c'est intéressant, mais je vais quand même vous le donner, mais l'égrener de façon relativement rapide, mais vous compreniez éventuellement ce que pour certains, ça pourrait vous aider dans votre schéma de carrière. J'ai été diplômé de comptabilité, donc j'ai un brevet d'État, sinon en 1995, au Crêpes de Montpellier, à l'ancien brevet d'État, pour certains, vous ne connaissez peut-être pas, le BEACPC, voilà. Après, j'ai eu un parcours, donc j'ai une première année d'expérience en tant que coach à côté de Bordeaux, à Blaye. Ensuite, je suis parti 6 ans à Brest. D'ailleurs, je crois que j'ai deux personnes qui m'écoutent qui sont de Brest où j'étais avec eux dans les années 96, 97, 98. Donc là-bas, j'y suis resté donc 6 ans. J'ai été coach et j'ai terminé 3 ans comme directeur d'un des deux clubs Moving. Et ensuite, je suis parti de la province. Je suis venu sur la capitale, donc à la Cobra de Paris. J'y suis resté 6 ans. Je suis arrivé en 2003, le 1er août 2003. Pourquoi ça m'a marqué cette date? Parce que c'était la canicule en 2003, je ne sais pas si vous souvenez. Donc, gros coup de chaleur sur la capitale. Donc, j'y suis resté 6 ans. Et ensuite, j'ai quitté la Coboulevard. Vous avez remarqué, à chaque fois, je quitte à chaque fois l'établissement. J'ai voulu monter ma société de coaching, donc One to One by P en 2010. Et en même temps, on m'a proposé un poste de consultant chez Les Mills pour la partie ouest de la France. Et en même temps, la sélection du traîneur chez Les Mills. Donc, en fait, j'ai obtenu les trois. Donc, je suis parti dans un engrenage de postes. Hein. J'avais 3 activités en même temps qui ont duré pas mal d'années. Avec une évolution au sein de chez Les Mills jusqu'en 2018, où j'ai quitté donc, ce bel établissement, cette belle société en 2018, pour me consacrer pleinement à ma nouvelle société. Et comme l'a dit Christophe, donc qui consulte, c'est ma nouvelle société depuis septembre 2018. Donc, je suis plutôt axé dans la stratégie d'entreprise au niveau des établissements de sport, pas que dans le fitness. Ça peut être la salle d'escalade. Là, actuellement, j'ai une salle de paddle, tennis. Ça peut être des piscines, c'est ce que j'ai actuellement aussi. Donc, dans le sens large au niveau du sport. Donc, du B2B, ça correspond en gros à 70% de mon chiffre d'affaires. J'ai une partie coach, mais très relative, à pas plus de 20%. Où là, on est plutôt, les gens m'appellent, ça va être par exemple par rapport à une reconversion professionnelle ou une stratégie de carrière, ils ont envie de changer. Donc, j'ai eu ça ce matin, par exemple. Et une partie vraiment, pour l'instant, c'est 10%, mais qui est très intéressante pour moi. Je fais pas mal d'ouvertures d'entreprise avec un module correspondant. Voilà. Je termine avec présentation. J'ai essayé d'être court. C'est pas facile parce que quand on a 48 ans, on a 27 ans d'expérience, on a un petit peu de choses à dire. Ce point commun dans tout ça, si ça peut être une première clé pour vous, et ça correspond à un post que j'ai mis sur les réseaux ce matin. À chaque fois, je suis parti des établissements où je suis passé. C'est pas que j'étais mal, mais j'avais l'impression que j'avais fait un peu ma route. Et ce matin, ma quitte ce matin, c'était le changement est positif lorsqu'on le décide. Et en fait, parce que la notion de changement a souvent une notion de peur. Et en fait, tout simplement, chez moi, ça m'a galvanisé, puisqu'à chaque fois, il y avait une nouvelle stratégie, il y avait
une belle chose qui arrivait de façon positive parce que je l'avais déclenché. Voilà. Donc, si ça peut peut-être certains vous dire que c'est peut-être le moment de faire autre chose, en tout cas, il y a toujours quelque chose par rapport à l'activité qu'on a faite. Voilà. Faut pas se dire, oh là là, je quitte une grosse société, qu'est-ce que je vais faire derrière? Il y a toujours des opportunités et l'opportunité se crée. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire un petit peu en introduction, tout simplement. Voilà, Christophe. J'espère que je n'ai pas Ça été trop marche. long pour une première prise de parole. C'était parfait. Ça me rappelle ce que tu dis, une phrase de Anthony Robbins qui dit, si vous faites ce que vous avez toujours fait, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Et Exactement. c'est vrai que si vous avez envie d'obtenir des choses différentes, si vous avez envie d'évoluer, faites des choses différentes, tout simplement, puis allez voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, changez, tout simplement. Il y a un livre qui est pas mal, qui est assez sympa, qui m'a été conseillé par Grazia Deloglio, qu'on a vu sur un des webinaires, un des premiers webinaires en hypnose et en PNL, qui est 180 degrés. Et c'est vrai que de temps en temps, simplement en modifiant ses habitudes et en changeant radicalement cette façon de faire qu'on a dans sa zone de confort, eh bien, on peut simplement se voir ouvrir des opportunités qu'on n'espérait pas jusqu'à présent. Alors, on va passer au vif du sujet parce qu'on a plein de trucs à voir, C'est clair. notamment Et du. j'attends le Premier ministre. Normalement, il doit passer nous voir, hein, le Premier ministre. Moi, il m'a dit qu'il n'était pas sûr. Il est très pris. Donc, il m'a peut-être dit qu'il allait nous faire un petit coucou à la caméra. Mais bon, je ne sais pas. Hein, je vous dis ça, je ne sais pas. Édouard, si tu nous vois, on souhaite le bonsoir. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux nous faire ton constat, toi, le constat que tu as fait par rapport au tout début, par rapport à ce confinement qui nous a été imposé, mais bien évidemment pour des raisons que l'on comprend. Des raisons sanitaires, c'est clair. Même si le président a parlé de guerre, je pense qu'on n'était pas en état de guerre, parce que la guerre, je pense que nos grands-parents peuvent en parler. Je pense qu'il a été un peu hors jeu à ce niveau-là. Bon, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais au moins une crise sanitaire. Parce que la guerre, on n'a pas à manger, ou alors c'est difficile, ou on se cache, parce que sinon, on se prend une balle. Là, ce n'était pas le cas. Même si l'ennemi, il est invisible et il est bien présent, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à je dirais à ce mot en disant on est confiné à partir du 17 mars, on est rentré dans ce qu'on appelle dans une cellule de crise en termes de stratégie. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement un petit peu plus après, dans une cellule, on va dire, stratégique. Moi, ce que j'ai remarqué dans les clubs, et donc les clubs, et là je parle aussi des coachs, hein, tous les acteurs du fitness, tout de suite. Vous vous êtes rué, tout le monde s'est rué sur les réseaux sociaux, hein, sur ce mode sur cet outil pour toucher tout le monde et pour se dire bah, comment je peux garder le lien avec les clubs. Donc la première chose, déjà, ça a été d'informer les clients que bien sûr les salles étaient fermées et qu'est-ce qu'on allait faire. Et tout de suite, il y a eu une réponse et je pense et on a été inondé de plein de réponses sur les réseaux sociaux, hein, avec des woods, des lives, des cours enregistrés, non enregistrés. Alors, pas toujours adapté. Hein, on avait le droit au super tableau que la grand-mère avait offert aux 26 ans. On avait la pluche du gamin. On avait le pot de confiture qui était encore ouvert. Bon, c'était pas ça l'importance. L'importance, c'était d'abord une réponse rapide et surtout une réponse rapide par rapport aux liens qu'on avait créés dans les clubs et par rapport aux adhérents qu'on avait. Surtout qu'en plus, on avait le côté challenge. Ils continuaient à payer. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur donner en plus? Je pense que c'est ça qui a fait le lien au départ. Donc, et bien sûr, sans oublier tous les grands groupes, hein, les Smiths, Radical Fitness, je sais qu'ils étaient très présents aussi Fitness Park. Tout de suite, ils ont ouvert leurs liens pour que justement on puisse donner ça aux adhérents parce qu'il y a des clubs qui n'avaient peut-être pas de coach pour donner des cours ou il y a des coachs qui n'avaient pas envie. Hein. C'est un sujet parce que moi, j'en ai eu dans mon entourage avec des clients. Donc, on a été inondé par ces réseaux, on a été inondé. Voilà, on a ouvert le garage, on a mis une barre, on a été chercher le vélo, on a commencé les cours. Donc ça a vraiment été une réponse très très positive. Surtout parce qu'il fallait tout de suite répondre par rapport à ça. Après, j'ai eu l'impression qu'il y a une petite baisse. Et moi, certains clients m'ont dit, il y a une baisse de fréquentation. On a un peu moins de clients qui regardent. Je leur ai dit, ça n'a rien d'étonnant puisque dans les clubs, c'est la même chose. Puisque dans les clubs, quand les gens s'abonnent, souvent, il y a une baisse de motivation par rapport au cycle habituel. J'ai eu des choses un petit peu moins bien. Moi, ce que j'ai après, j'ai eu peur, c'est qu'on commence à mettre des cagnottes en ligne, on commence à mettre des cagnottes personnelles, sachant que là, il y avait quand même des coachs qui appartenaient à des clubs, et ces clubs-là étaient en chômage partiel. Donc, je me suis dit, waouh, s'ils sont en chômage partiel, s'ils commencent à faire des cagnottes,
faut faire attention quand même parce que il y a pas mal de contrôles en cours et ainsi de suite. J'ai vu aussi des gens qui ont voulu exploser sur les réseaux sociaux, qui ont monté leur chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas s'ils ont voulu se prendre pour Jeff Bezos du fitness, mais ils se sont dit, je vais peut-être venir milliardaire en faisant des cours, pourquoi pas ? Chacun son ambition et c'est très bien. Je n'irai jamais en contre de l'ambition de qui que ce soit, mais il y a vraiment eu plein de choses, plein de réactions en fait, quoi. Plus j'ai de gemmes, mieux ce sera. Un peu de créer de la notoriété, il y a eu plein de choses, ça a été relativement sympa. Mais en tous les cas, ça nourrit les réseaux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça nourrit tout simplement, je dirais, les différents clubs et les différentes personnes qui étaient chez eux et qui avaient besoin de faire du sport, tout simplement, en étant sur leur canapé. Donc ça, c'était intéressant. Où ça a été moins intéressant, et là, on est un peu retombé dans les travers du fitness, j'emploie, même si peut-être que certains... c'est que le mot stratégie est un peu plus compliqué parce que cette cellule de crise étant passée, on est rentré dans une cellule stratégique au bout de 3-4 semaines. Donc maintenant, ça fait 3 semaines. Et là, en général, le mot stratégie dans les clubs de fitness, ce n'est pas toujours ce qui arrive en haut du podium. C'est le cas de le dire. On pense plutôt à club de sport et pas à entreprise. Donc là, ça a été un peu plus dur. Et c'est vrai que moi, certains clubs, ils ont été réticents à vouloir faire des choses. Ils se sont dit, on va attendre. Voilà, on va attendre. On a peur, on attend. Je fais des gâteaux avec mes enfants à 15 heures parce que c'est important que je sois avec mes enfants. Et puis, on verra le club après. Et là, je leur ai dit, mais en fait, il y a une véritable tempête qui arrive dans vos clubs, en fait. C'est un événement qui est énormissime. Et comme tout événement, je dirais, il y a deux réponses. La première réponse, c'est de se dire, par rapport à cette tempête, je crée un moulin à vent. Okay? L'avantage du moulin à vent, quand il y a beaucoup de vent, c'est que ça tourne tout seul. Par contre, ça génère aucune énergie parce que ça fait tourner le moulin, mais il n'y a rien derrière. Mais bon, ça fait tourner le moulin. Ou la deuxième, c'est de se dire, et comme il y a du vent, comme il y a une tempête, je vais créer des murs, je vais créer des barrières et éventuellement, je vais créer une stratégie. Et je vais utiliser ce timing où il n'y a plus rien pour penser à l'ouverture de mon club, pour penser à l'avenir. Et ça, ça a été la phase un peu plus compliquée. La première phase, le moulin à vent, en fait, on attend, donc on est attentiste, donc on est limite victimaire de la chose, c'est-à-dire qu'on dit, bah, on verra bien, je remettrai la clé dans la porte, et puis on rouvrira, et puis on discutera avec les gens, puis on verra bien. Pourquoi pas? C'est une forme de stratégie, mais ce n'est pas la mienne. Ou la deuxième, c'est d'être acteur de la suite. Cellule de crise, cellule stratégique. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on rentre en cellule stratégique, on s'est dit, on va agir. Et l'avantage, c'est quand on agit, on en oublie en fait la tempête. Parce qu'on est tellement concentré par ce qu'on fait qu'on oublie un peu plus ce qui se passe à l'extérieur. Même si dans les hôpitaux, il se passe ci, il se passe ça. Je suis très concerné par rapport à ma famille, puisque j'ai des gens dans ma famille qui travaillent dans les hôpitaux. Mais en fait, on en oublie un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et on se reconcentre sur sa priorité, son besoin profond, qui est à ce moment-là la sauvegarde de son club. Donc ça, c'était super important. Et je l'ai vu avec parcimonie. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de clubs qui manquaient. Maintenant, ça commence à bouger parce qu'ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Mais les premiers ont été relativement timides et le nombre a été assez restreint. Et donc, pour terminer cette partie, je dirais qu'en fait, c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. Soit on se laisse envahir par cette tempête, par cet événement. Et cet événement, en fait, on ne peut rien y faire puisque c'est un événement. Donc, à quoi ça sert de vouloir contrer cet événement? On ne peut rien y faire. Et au contraire, utiliser son timing pour se former, par exemple avec toi, Christophe, ou éventuellement, qu'est-ce qu'on va faire pour ses adhérents, comment on peut faire au niveau financier, voilà, comment on peut faire que si on n'avait pas toutes les aides de l'État, qu'est-ce qu'on ferait? Et s'il y a des aides, c'est fantastique et c'est du bonus, même s'il en faut, mais c'est du bonus et à ce moment-là, je suis vraiment prêt. Voilà. Donc, j'ai eu vraiment les deux, la partie réaction sur les réseaux sociaux qui a été forte, qui a été super intéressante par rapport au consommateur final. Par contre, je dirais qu'elle a été un peu moins forte en termes de réaction de business au niveau des clubs. Voilà un peu ce que j'ai ressenti personnellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… Oui, parfaitement. Pour rebondir, il y a deux choses. La première, c'est que en fait, Pierrick vous réexplique d'une autre façon ce qu'on n'arrête pas de dire depuis des semaines. C'est que arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de regarder vos pieds, regardez vers l'horizon et foncez vers le futur. C'est-à-dire que le focus, à partir du moment où votre tête, elle est déjà dans le futur, elle est déjà dans vos projets, elle est déjà dans le fait que vous pensiez déjà à rebondir et que vous réfléchissez à la façon dont vous allez rebondir, vous n'allez pas penser à ce qui se passe en ce moment. Donc, le côté anxiogène,
il va être beaucoup moins présent. Alors que si vous attendez, ça va mouliner là-haut et vous allez rentrer dans un état d'esprit qui est un état d'esprit où vous allez avoir tendance à voir plutôt le négatif et puis à un moment donné, être pas forcément enclin à vouloir avancer. C'est vrai que plus vous allez voir l'avenir, plus vous allez imaginer des projets et plus vous allez travailler sur ces projets, parce qu'il n'y a pas que les imaginer, il faut appuyer sur le bouton action aussi, hein. Et plus vous allez les imaginer, plus vous allez les conceptualiser, mais après les mettre en place durant le confinement, moins vous serez dans cet état d'esprit qui est très anxiogène. Et puis, il y a la deuxième partie, quand tu disais « formez-vous », là, en ce moment, franchement, je suis fier des coachs. Je suis très, très fier des coachs parce que ça se forme dans tous les sens. Je vois énormément de coachs se lancer, que ce soit des formations, les miennes ou pas, hein, peu importe, mais j'en vois énormément. Je vois sur les réseaux sociaux, ils sont en train de travailler sur une partie marketing, sur un centre de formation qui fait la partie marketing en digital, par exemple. Je les vois en train de se former sur, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, et c'est avec LeaderFit. Ils se sont formés, ils ont formé des groupes en pilates. Ils ont formé en instructeur pilates Matwork 1, LeaderFit, à distance. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Donc, les coachs n'arrêtent pas de se former. Encore ce week-end, on était sur 5 formations. On a eu 5 formations ce week-end. C'était, franchement, c'était génial. Il y a un état d'esprit des coachs qui viennent en ce moment, qui s'inscrivent sur les formations, qui a un état d'esprit hyper positif. On sent vraiment que vous avez envie d'aller vers l'avant. On sent vraiment que vous mettez le point de focus sur le demain. Et vous êtes en train de vous donner les moyens pour y arriver. Et je vous promets que vous allez y arriver. Et c'est bien. C'est mieux que de rester chez soi, parfois à faire que des gâteaux. Mais de toute façon, rester sur place, c'est reculer. Donc, si on a une fenêtre d'ouverture en se disant le peu que je vais faire peut changer mon demain, il faut le faire. Il faut pas lésiner là-dessus. Et on ne sait pas comment les gens aborderont les salles demain. Donc, plus on aura des cordes à son arc, mieux on sera préparé pour la suite. Ça, c'est indéniable. Thierry, dans ton réseau, parce que comme tu es consultant et tu nous disais que tu étais essentiellement consultant pour des clubs, et un petit peu pour des coachs, mais majoritairement, c'était des patrons de club que tu avais. Comment ont réagi en fait majoritairement les personnes que tu as, toi, en consulting? C'est-à-dire Les patrons de club que tu as dans ton réseau, oui. est-ce qu'ils ont été plutôt en panique, inactifs, ou ils sont venus vers toi, ils ont cherché des solutions, ils ont appliqué ces solutions? Alors, comment ils étaient, comme j'ai dit, dans tout moment de tempête ou de panique ou de surprise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attentifs, des gens qui tout de suite se disent c'est une opportunité, c'est toujours la même chose. Beaucoup d'attentisme. Alors, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre parce que c'est quand même le plafond qui s'effondre. Il y a vraiment eu la première étape où moi, je les ai beaucoup aidés à ce niveau-là par rapport à des relais que j'ai eu au niveau de certaines entités. Les aider à maximum dans le relais, je dirais, sauvegarde de l'entreprise au niveau financier. C'est-à-dire, quelles sont les aides de l'État, comment on peut les avoir, vers quoi on peut se destiner, donc les charges sociales, le PGE, hein, par rapport aux prêts bancaires, par rapport à la BPI, si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on peut faire, quel médiateur on peut appeler. Voilà, toutes ces choses-là, ça a vraiment été une première étape. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu vraiment ceux qui ont voulu passer l'étape et ceux qui ont dit on va attendre un petit peu, quoi. Cette peur un peu. Donc là, la peur est en train de s'estomper. Et je pense que par rapport à ce que le Premier ministre a dit tout à l'heure, cet après-midi, je pense qu'il doit y avoir encore un nouvel état d'esprit parce qu'on marche par objectif, on marche par étape. Et là, on a une nouvelle étape qui a été déclenchée ce soir. Donc peut-être que ça va faire réagir, je dirais, certains établissements sportifs par rapport à ça. Et on retrouve exactement, parce que là, tu nous parlais essentiellement des patrons de club. Moi, j'ai retrouvé exactement la même chose chez les coachs. Je ne sais plus si on en avait parlé, mais j'ai créé un groupe WhatsApp, un groupe de discussion WhatsApp qui est spécifique pour les coachs. Ça s'appelle « Les coachs qui réussissent ». Et il y a eu effectivement, on retrouve cette panique au démarrage. Et cette panique,
avec une fois qu'on avait donné des solutions, une fois qu'on avait une fois que on s'est entraîné, parce que le but du jeu c'est de s'entraîner, une fois que ils ont réussi à mettre en place ces solutions qu'on avait évoquées dans ce groupe, eh bien on s'aperçoit que là effectivement tout le monde, ce côté anxiogène a diminué et que il y a un côté positif. Il y a toujours un petit peu de panique de temps en temps, mais comme on est un groupe, eh ben, on va plus loin. Alone we are weak, together we are strong. Seul on est faible et à plusieurs on est fort. Et c'est vrai qu'on a retrouvé ça, exactement ce que tu disais, avec cette sensation d'anxiété qui a diminué avec le temps, même s'il y a toujours une inconnue. Et quand l'homme est face à une inconnue, bien évidemment, c'est toujours un peu difficile. Alors là, tu nous parlais. Je peux rebondir juste sur ce que tu as dit ou pas? Je peux rebondir? Tu as dit la force du collectif. Alors, je vais être complètement d'accord avec toi et je l'ai ressenti dans les deux formations que j'ai fait post-Covid, où j'étais complet à chaque fois et j'avais les 10 clubs. Ils ont adoré le fait de mélanger des idées et de rebondir sur la stratégie. Moi, j'ai donné une stratégie en 20 points. Donc là, ils ont adoré rebondir. Mais je mettrai un bémol. Après, ça dépend du collectif. Et là, je vais peut-être me faire tirer dessus parce que. Ça dépend avec qui on discute et avec qui on est. Il y a des collectifs qui, entre guillemets, n'apportent pas grand-chose. Si c'est pour toujours ressasser les mêmes choses et ne pas avancer, on appelle ça un collectif qui recule. Donc, vaut plutôt adhérer à des collectifs qui avancent ou à un collectif qui génère de la stratégie. Parce qu'il y a pas mal de collectifs qui se créent aujourd'hui, mais il faut quand même regarder quelle est la teneur du collectif. Parce que, voilà, je n'aurais pas envie d'en dire plus, mais… Des fois, il n'en ressort pas grand-chose, en fait. Voilà. Ne serait-ce que de se dire, ah ben, je suis un petit peu moins nul que mon voisin. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de fédérer des idées, mais des idées constructives pour que justement, on puisse aller plus vite, plus fort et plus loin, tous ensemble ou après, individuellement, dans ces clubs. Voilà. Je me suis permis d'apporter cette précision. Et justement, moi, je l'ai remarqué dans ce groupe au démarrage. Donc, je suis modérateur du groupe, forcément. Pas seulement pour le groupe. Hein. Je ne le connais pas, donc ce n'était pas… Mais c'est ça, en fait, on s'est retrouvé à un moment donné avec des discussions qui pouvaient partir dans des chemins de traverse, et là, j'ai recadré tout le monde. Et régulièrement, je le refais un peu moins maintenant, parce qu'ils savent très très bien qu'on est dans un groupe de discussion professionnelle, que quand on commence à partir dans des sucettes, en sucette avec des trucs qui n'ont plus rien à voir avec le professionnel, là, dans ce cas-là, je recadre tout le monde, et puis tout le monde se remet dans le droit chemin à travailler. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on peut se retrouver avec… Des discussions qui ne valent pas trop la peine, et dans ce cas-là, c'est au modérateur du groupe de pouvoir de recentrer. Et puis aussi, on se retrouve avec des personnes qui parfois font pas avancer le schmilblick, et là, c'est aussi un petit peu à nous de devoir à un moment donné débloquer la situation. On s'est retrouvé avec des personnes qui, dans ce groupe, à un moment donné, agaçaient un peu l'ensemble du groupe. Donc, ils se sont régulés par eux-mêmes. Et puis, certains sont sortis directement du groupe parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, parce que ça ne leur convenait pas. Donc, il y a eu une sorte d'éclatage naturel de ce groupe. Et maintenant, ça file droit. C'est hyper, hyper concret par rapport aux discussions. Vraiment, c'est très, 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 très intéressant. Mais bon, c'est effectivement, ça dépend des groupes, comme toujours. Alors… Comme tout à l'heure, tu nous parlais du discours de notre Premier ministre. Édouard Philippe est intervenu, vous le savez probablement, à 15h. Il a fait son discours devant l'Assemblée nationale. On y était, on a écouté, et puis on a écouté les analyses également. Comment toi, tu perçois, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui par notre Premier ministre, comment est-ce que tu perçois l'après-confinement? Ok. Alors, je vais faire de la politique. J'ai envie de te répondre, Christophe, en disant, mais avant de répondre vraiment à ta question, j'ai envie de revenir sur les propos d'Édouard Philippe, justement. Parce que j'ai fait un post, je crois qu'il était 16h30, en indiquant que je crois que j'avais mis rien avant le 2 juin. Et si je dis que j'ai pas eu 50 coups de fil, j'ai dû en avoir 49. En disant, mais est-ce que tu es sûr de la date? Je comprends pas. Je peux réouvrir? Mais est-ce que je peux faire du coaching à domicile? Est-ce que je peux ci? Est-ce que je peux ça? Mais je peux faire du sport dehors? Ok. Moi, ce que je vais vous dire là, c'est juste ce que j'ai entendu et c'est juste ce que le Premier ministre a dit. Et pas plus, pas moins. Et moi, je ne suis pas le vecteur en disant
on va ouvrir à telle date ou telle date. Même si depuis le 2 juillet, je dis que c'est depuis le 15 mars, moi je dis que c'est pas avant le 15 juin dans mon esprit. C'est ce que j'avais dit, et quand j'avais dit ça, on m'avait souvent insulté. Parce que ça reste une crise sanitaire très très forte. Donc, j'ai pris une note et je vais reprendre la phrase qu'a dit notre cher Premier ministre. Donc déjà, il a dit qu'on allait rentrer dans une stratégie de déconfinement de stade 1, c'est-à-dire du 11 mai au 2 juin, il allait avoir cette première période. Et d'ailleurs, si on merdait un petit peu avant, éventuellement, on n'aurait pas ce démarrage au 11 mai. Mais en gros, c'était la première. Et ils allaient statuer fin mai pour savoir qu'est-ce qui allait encore basculer dans la deuxième stratégie de déconfinement. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit réellement sur notre phrase qui nous concerne et qui correspond à ce qu'on appelle à la catégorie vie sociale. Okay ? Alors, il a dit, il sera possible de pratiquer une activité physique en plein air en dépassant la barrière du kilomètre. Waouh ! Et en respectant la distanciation physique. Okay ? Ça veut dire on peut courir, on peut courir à plusieurs, enfin pas à plusieurs, mais on peut courir plus longtemps et plus loin de chez soi, tout en respectant, comme d'habitude, les distances. Il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans les lieux couverts, okay ? Donc couvert, ça veut dire un toit couvert, ni de sport collectif, donc ça veut dire en groupe, ni de sport de contact. Alors, contact, tout le monde pense à la boxe, même si Edouard Philippe, c'est un boxeur. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a été coaché avec un coach sur Rouen 2 fois par semaine en coach. Il aime se prendre des coups. C'est pour ça qu'il est Premier ministre aussi. Mais en fait, donc sport de contact, ça veut dire, quand je fais du grit, je tape dans la main. Quand je fais du radical, je me tape dans la main. Quand je fais du crossfit, je me tape dans la main. En fait, on est proche, quoi. C'est ça, du contact. Bon, moi, cette phrase… J'ai pas fait beaucoup d'études, mais donc si je vois lieu couvert, ni sport collectif, ni sport de contact, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir une salle de fitness. Et il y a certaines confédérations qui, j'ai été voir tout de suite sur LinkedIn à 17h, qui ont tout de suite notifié, bien évidemment. D'ailleurs, moi, demain, j'ai un webinaire par rapport à une autre fédération qui va aussi nous apporter des précisions par rapport à ça. Après, dans chaque catégorie, donc dans la filière du sport, aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir le 11 mai. Donc, moi, demain, j'en saurai plus de 14h à 15h. Je le mettrai un peu sur mes réseaux. Mais est-ce qu'un coach peut… Peut-être qu'un coach à domicile, il va pouvoir redémarrer le 11 mai. Peut-être, c'est différent, avec un masque FFP2. Comme ça, il se protège et il protège son client. Parce que je vous rappelle, le FFP1, vous protégez votre client, mais vous ne protégez pas. Hein, prenez bien la différence. Et je vous parle pas du slip sur la bouche, d'accord ? Je ne parle pas du truc en tissu. Donc après voilà, mais moi je peux un coach à domicile, je sais pas, mais aujourd'hui un lieu couvert avec du collectif et du contact, aujourd'hui le Premier ministre il a dit niet. Enfin, c'est juste les propos du Premier ministre, même si je sais que vous avez hâte de démarrer, vous êtes énervé, vous perdez de l'argent bien évidemment, mais en fait on est des commerces, certes on est dans la catégorie sport marchand, mais aujourd'hui nous on est sport marchand, mais enfin on est un commerce mais sport marchand. On coupe pas les cheveux aux gens. Donc voilà. Ça, c'était le point un peu politique, mais je pense qu'il y avait besoin de. Voilà. Le déconfinement, mais moi, comme je l'avais fait dans mes deux premières formations, donc en fait, ce soir, je me suis dit, j'avais eu quelques demandes et j'avais hésité. Au départ, je voulais faire qu'une formation, qu'une seule fois. Alors, j'ai fait 2 sessions et puis je me dis, en fait, je vais en faire une troisième. Donc en fait, je l'annoncerai jeudi, mais je vais l'annoncer dès ce soir, si tu me permets, Christophe, que je puisse annoncer la date. En fait, le jeudi 7 mai, je vais faire une troisième formation. Alors, je vais un petit peu la changer, puisqu'il y a des choses qui vont être un peu obsolètes, parce que moi, j'étais vraiment dans le préventif par rapport à la réouverture. Je leur avais demandé 3 scénarios, ainsi de suite. Donc là, je pense qu'on va se projeter sur un premier scénario qui va être peut-être justement le 2 juin ou le 15 juin. Alors, quel niveau de scénario, ça, c'est autre chose. Hein, mais au moins, on sait qu'on va certainement ouvrir peut-être dans cette période, ou peut-être pas d'ailleurs, mais peut-être. Et donc, la stratégie, elle est simple. Il y a vraiment une filière, je dirais, un côté financier. Il y a un côté équipe. Il y a un côté vraiment RH, le directeur, le staff, les coachs, les commerciaux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une partie vraiment client, les membres. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux membres? Donc, en gros, dans la première partie, toujours penser à ce qu'on appelle les lignes budgétaires. Voilà, est-ce qu'on prend un PGE? Est-ce qu'on emprunte à 0,5%? C'est relativement intéressant, hein, remboursable à partir du 13e mois. Oui, Christophe. Oui, par rapport au terme technique PGE.
Parce que ce n'est pas forcément quelque chose En de fait, très clair. c'est le prêt bancaire par rapport à la banque et donc la BPI prend l'assurance comment dire, prend la caution à 90%. Donc en fait, la banque n'a que 10%, ne prend que 10%, je cherche le mot, de non sécuritaire en fait. Voilà. Donc, Elle couvre ouais, alors effectivement. notre secteur est quand même assez marqué à l'encre rouge. Je sais qu'il y a quelques exemples de clubs où ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, ils n'avaient pas réussi. J'ai un club sur l'île d'Oléron qui n'avait pas réussi. Et à force de batailler, je leur ai dit, il faut batailler, 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 batailler. Et ben en fait, il a réussi à avoir son prêt. Donc, côté financier, ligne budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève certains, on enlève un peu de marketing? On en remet plus quand on va rouvrir? Est-ce qu'on abaisse certains concepts? Est-ce qu'on enlève la ligne qui consulte de Pierrick? Vous voyez, c'était ça vraiment. Et on va continuer dans cette ligne budgétaire. Deuxième, c'est l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe? Qu'est-ce qu'on va faire avec les coachs? Est-ce qu'il y a des coachs qui ont été traumatisés? Ils ont perdu des membres de leur famille? Ils ont pris du poids? Ils sont restés dans le canapé? Il va falloir qu'ils se réentraînent? Il va peut-être falloir qu'ils changent de boulot dans le club? Parce que s'il y a moins de cours collectifs, on ne va pas les payer à regarder la pendule. Donc, c'est ce qu'on appelle un suivi de tâche, mais on peut peut-être changer la tâche. Pas, il va falloir faire plus de ménage, ben peut-être que le coach, il va falloir qu'il fasse plus de ménage pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il va falloir nettoyer les douches quand elles seront ouvertes, hein, dans un temps vraiment futur, ben nettoyer davantage les douches ou nettoyer les haltères toutes les 30 minutes ou nettoyer les barres de musculation toutes les 30 minutes. Donc ça, c'est de la main-d'œuvre. Donc soit on prend des gens de l'extérieur et ça coûte de l'argent, soit on utilise un poste, des horaires dédiés, où on transforme. Voilà, on met ça dans un autre poste. Donc ça, c'était une grosse interrogation. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et le dernier point, c'est tout ce qui est client, donc tout ce qui est activité, tout ce qui est, on appelle ça la compensation, hein, pour les clubs qu'on continue à prélever, d'accord? Qu'on continue à prélever. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur redonne l'argent? Est-ce qu'on leur redonne une partie? Est-ce qu'on fait des cadeaux? Est-ce qu'on offre des abonnements, à d'autres personnes? Voilà. On appelle ça la compensation. Et là, il y a un arbitrage à faire. J'ai eu 4 rendez-vous aujourd'hui. Hein, poste ça, c'était ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne? Il y a des pistes. Il n'y a pas un club qui fait la même chose. Il y en a qui vont offrir des serviettes. Il y en a qui vont offrir 3 mois. Il y en a qui offrent 50% de ce qu'ils ont prélevé. Il y a vraiment tout ça, c'est à discuter et ça s'appelle de la stratégie d'entreprise en fait. Et plus on l'anticipe, le jour où on ouvre, on met la clé dans la serrure, on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait au niveau commercial? Est-ce qu'on fait une offre? Est-ce qu'on fait des packs? Est-ce qu'on travaille son côté commercial? Parce que les gens n'auront pas la même attente. Il y a vraiment plein de choses. Il y a une multitude. Moi, j'apporte 20 points sur ces trois sphères, hein, financier, équipe et client. Mais dans les 20 points, j'ai 5 ou 6 points à chaque fois. Donc en fait, il y en a, voilà, il y en a 300, quoi. C'est tellement large. Et c'est pragmatique parce qu'il faut être pragmatique. Encore une fois, il est important de se préparer à la réouverture progressive où on ne sait pas exactement. Et c'est vrai que ceux qui se seront préparés auront déjà réfléchi à des stratégies qui leur permettront de mieux s'en sortir. Et pour vous, les coachs, c'est exactement la même chose parce que Pierrick, comme il disait, pour ceux qui sont salariés, si à un moment donné, vous êtes amené à repartir dans le club, c'est vrai que vous aurez peut-être vu les circonstances. Vous n'aurez peut-être pas de cours collectifs si habituellement vous faisiez du cours collectif. Et vous n'aurez peut-être pas autant de cours collectifs qu'avant. Ce qui fait qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous puissiez prendre sur vous pour vous dire, hey, avec le club, on est un des maillons du club, quoi. On est là pour travailler ensemble et faire en sorte, main dans la main, de pouvoir réagir par rapport à cette situation. Et c'est vrai que autant, avant le confinement, avant cette crise sanitaire, certains disaient, oui, mais non, moi, mon job, c'est pas de faire le ménage, c'est pas de nettoyer les machines. Bah, oui, pourquoi pas, peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il va peut-être falloir, main dans la main avec les patrons de club, et on le disait encore la dernière fois, il va falloir peut-être changer un peu votre fusil d'épaule et vous dire, bah, tiens, là, j'ai pas de cours. Et je suis payé, et ben je vais passer un coup de spray désinfectant dans les douches. Je vais peut-être aller passer je vais peut-être changer le rouleau de papier qui permet d'essuyer les machines. Je vais peut-être faire en sorte d'aller regarder s'il n'y a pas des dysfonctionnements à droite, à gauche, de façon à pouvoir aider
le patron de club qui vous emploie et qui vous paye. Et ça vous permettra de pérenniser vos emplois, vos jobs. C'est comme ça que ça peut fonctionner. C'est en mettant un peu d'eau dans son vin, en disant « oui, c'est vrai, c'est peut-être pas mon métier de base et c'est peut-être pas pour ça que j'étais embauché. » Mais à un moment donné, si on doit faire en sorte de réduire, par manque budgétaire, de réduire l'effectif, eh bien, ceux qui auront été positifs dans cette aventure risquent plus forcément, restent plus facilement de rester dans le club. Et ceux qui auront traîné de la patte et ceux qui auront continué à avoir un état d'esprit qui est un état d'esprit plutôt négatif seront peut-être les premiers à être licenciés parce que économiquement, à un moment donné, si tout le monde n'y met pas du sien, le club risque d'avoir des difficultés et risque d'avoir des licenciements à faire, bien évidemment. Événement exceptionnel, situation exceptionnelle. Et moi, souvent, les clubs me disent « ouais, mais je n'ai pas besoin parce qu'en fait, c'est bon, je sais que je vais mettre 5 mètres carrés par personne. Voilà, je vais fermer mes douches maintenant. » Mais j'ai envie de dire, mais ça, c'est juste un truc parmi tellement de choses. Le côté sanitaire, c'est tellement évident. Ce n'est pas ça la stratégie d'une entreprise. La stratégie d'une entreprise, c'est quoi ton tableau de bord financier jusqu'au 31 décembre 2020? Comment tu vas compenser tes pertes financières? Comment tu vas aller chercher l'argent pour subvenir? Comment tu vas gérer ton entrée? En fait, il faut scénariser, il faut aller chercher loin et compenser des pertes financières. C'est ce qu'on appelle arbitrer des lignes budgétaires. En fait, c'est ça, c'est pas de se dire « ah ben, je vais faire une douche sur deux ». Oui, c'est super, bien évidemment. Je vais fermer un casier sur deux. Ouais, ok, très bien. Ça y est, on l'a dit, on passe à autre chose. Hein. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, oui… Mais dans les autres activités, on ne va pas se poser la question, en fait, quoi. C'est, on se retrousse les manches, pas jusqu'au coude, mais jusqu'aux épaules. Et puis, ça, on ne peut plus le faire. Il n'y a plus de cours collectifs. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu ne vas pas faire des cours collectifs. Donc, on va faire autre chose. Et dans d'autres activités, non dans le sport, les gens, ils font autre chose. Parce que situation de guerre, situation exceptionnelle. Donc, événement exceptionnel. Donc, les choses sont exceptionnelles. On n'a pas dit que ça allait durer dans le temps. La seule petite, je fais une petite parenthèse, l'ordonnance de mercredi la semaine dernière dit que le chômage partiel va pouvoir être individualisé. Donc ça, peut-être que des clubs vont pouvoir s'en servir. Donc ça, c'est une chance assez énorme. Hein, parce que comme on va ouvrir de façon partielle, par exemple sur 5 salariés, on pourra en mettre 2 en chômage partiel les 15 premiers jours du mois et 2 suivants. C'est quand même une chance exceptionnelle. Pour ça, la France… On est le seul pays au monde à avoir, en étant dans le canapé, et payé à minima 86%. Hein. Je le répète, vous êtes les seuls. Donc, on se plaint, mais… moi, je bosse, mais on se plaint, mais 86% pendant un mois et demi à manger des chips, c'est pas mal, pour certains. Je parle pas des coachs. Et à regarder Netflix. Mais c'est vrai. Et comment tu perçois comment manger des chips? Je sais pas. Avec des cacahuètes. Comment tu perçois les coachs globalement? Ça, c'est une question. Tu as envie de rajouter une heure dans le webinaire, c'est ça? Si tu me poses cette question. J'ai envie de te dire, en fait, quel coach, pour quelle activité? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'univers du sport, il est large. Il y a du low budget, il y a du middle, il y a du haut de gamme. Il y a des micro-boutiques, il y a des boutiques, il y a du sport à domicile, du sport en entreprise. Du sport dehors. On va voir les profs, ceux qui font des cours collectifs, comment tu les perçois, ouais. Par exemple? Comment je les perçois? Comment je les perçois? Un coach, en fait, c'est quoi le mot coach? C'est quoi le mot coach? Moi, souvent, je perçois, quand je vais dans des clubs, je vois beaucoup de gens… je sais pas pourquoi, tu as un petit rictus, tu t'attends à quelque chose, Christophe. Oui, je m'attends à tout. Et quand je prends du temps comme ça, c'est pas bon. Je sais pas si c'est bon ou pas. Ça dépend pour qui. Je vois beaucoup de coachs qui parlent. Donc, en fait, pour moi, un coach qui parle n'est pas un coach. C'est un parleur. Donc, en fait, il parle, voilà, il donne sa cérémonie, voilà, il répète ce qu'il dit toujours.
Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui interréagit, c'est quelqu'un qui donne envie et c'est quelqu'un qui rend la personne meilleure. Pour moi, c'est ça un coach. Et je pense que beaucoup, beaucoup de coachs, alors je sais pas, je mets la pierre à personne, hein. Peut-être qu'on pourrait me mettre dedans quand moi j'ai fait 24 ans de coach. En fait, faut donner envie, il faut créer le changement auprès des gens. Et je trouve qu'on a perdu un petit peu ça, en fait. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Il y en a qui se cachent derrière un diplôme. Pour moi, un diplôme, c'est quoi? Parce que là, on a vu qu'il y avait le CTUP qui arrivait. Donc, j'avais fait un gros truc sur les réseaux là-dessus. Mais moi, quand j'avais le BACPC, bah, après, il y a eu un autre diplôme. Il y a eu encore un autre diplôme, encore un autre diplôme. Et je m'en fous de savoir si mon diplôme, il est mieux que l'autre avant. OK, pourquoi c'était mieux avant? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, un diplôme, ce n'est pas une finalité. Je parle au-delà du coach. Un diplôme, c'est un passeport. Un diplôme, c'est un permis de conduire. Tu as le droit éventuellement de faire du sport auprès des gens. Okay. Pour moi, c'est juste ça. Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est des gens qui rayent le parquet. C'est des gens qui n'ont pas les dents assez longues. Et je rêve, alors bien sûr qu'il y en a, mais je voudrais que ce soit beaucoup plus. Je voudrais qu'il y ait une vraie majorité de coachs qui ont envie de tout péter, quoi. On a un métier extraordinaire. Coach sportif, c'est extraordinaire. Tous les métiers nous envient, quoi. Je suis sûr que vous, là, vous m'écoutez, coach, combien on vous a dit, mais à part coach, c'est quoi ton métier? Parce qu'être coach, ce n'est pas un métier. Parce qu'en fait, t'es payé à avoir des fesses de dingue, t'es payé à avoir des abdos de mongol, t'es payé à avoir des épaules de folie. Donc en fait, t'es pas payé à faire ça. Rassure-moi, on ne paye pas pour faire des cours. On ne paye pas. Donc en fait, j'ai envie de dire, mais putain, mais rayez le parquet. Faut tout péter. Faut avoir le smile. Faut donner envie aux gens. Il faut les coacher. Voilà, c'est pas leur parler, c'est les coacher. Et coacher, ça veut dire ne pas toujours dire ce qu'on a envie d'entendre. Pas toujours faire plaisir aux gens. Moi, il y a des patrons de club à des coachs, je leur dis la vérité, je dis non, ça ne va pas, là, tu déconnes, là, ça ne va pas. Et pour moi, c'est ça un rôle de coach. Et moi, ce qui manque, c'est justement au-delà de ce passeport, on s'en fout comment tu l'as obtenu dans l'absolu. C'est qu'est-ce que tu en fais et surtout remplis tes salles. Moi, un coach, il me remplit ma salle de cours, je le paye 4 fois plus. Mais ce que je reproche, c'est quand je vois des coachs, des fois, qui vont demander des salaires de dingue, des salaires de premier ministre. Et en fait, je dis, mais qu'est-ce que tu me demandes? Je ne te connais pas. Remplis la salle. Il arrive, il me dit, moi, je vaux tant. Mais tu vaux quoi? Tu vaux rien du tout. Tu vaux rien. Remplis et moi, je te paye. Parce que si tu remplis, c'est que ce que tu vas délivrer, c'est bon, c'est juste, c'est fort. Et les gens, ils vont aimer. Tu vas remplir ta salle de restaurant. Si tu es un bon cuisinier, je vais te payer. C'est normal. Ou te créer une autre motivation. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Hein. On peut créer une rétribution sur autre chose par rapport à sa motivation. Mais en tous les cas, là, je dis OK. Mais pourquoi dire, moi, partout où je suis passé, quand je suis arrivé à la Côte Boulevard de Paris, j'ai redémarré au bas de l'échelon, j'étais directeur d'un club. Je suis arrivé à 10 balles de l'heure à la Côte Boulevard et je faisais du plateau avec mon petit polo orange. 10 balles de l'heure. Et puis un an, parce que moi, à la Côte Boulevard, je voulais être le directeur de la Côte Boulevard. Et après, on m'a dit, tu vas être le manager. OK. Mais je n'ai pas cherché plus parce que voilà, il fallait remonter, il fallait montrer ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, des fois, je vous dis, je parle de certains, je ne parle pas de tout le monde, ça manque d'humilité. Ça manque de niaque. Je pense qu'il faut défoncer parce qu'on a vraiment un métier exceptionnel. On a un passeport, il faut continuer à se former. Il faut continuer à regarder les webinaires. Il faut se former avec Christophe, il faut se former avec moi, il faut se former avec Jean-Pierre, avec Jean-Paul. Putain, mais prenez des connaissances et délivrez-les auprès des gens. Un métier formidable. Les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de nous, en fait. Quand je dis nous, dans le sens large. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, un coach aujourd'hui, c'est ça. Ça manque de. Oh, on a l'impression que j'ai envie de dire le mot que j'ai pas le droit de dire parce que je vais me mettre à dos 7 millions de personnes en France, mais purée, mais on n'est pas des fonctionnaires, quoi. J'ai rien contre les fonctionnaires, on peut tous l'être. Mais allez-y, faites-vous plaisir, donnez plaisir à ces gens, quoi, qui sont en attente de ça. Donc plus de niaque, plus de formation, on raye le parquet, on défonce tout, et ouais, le salaire, c'est bien, mais faites vos preuves, et après on en discute. On en parlait la semaine dernière avec le webinaire de Cédric Roptin. Ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un changement, bien évidemment, au niveau du marché de l'emploi. Hier, il y avait beaucoup de clubs et il y avait peu de coachs. Et demain, il risque d'y avoir moins de clubs, mais toujours autant de coachs. Ce qui fait qu'il va y avoir une bataille qui va se jouer au niveau des postes. Et forcément, ça va être les meilleurs, ceux qui sont les plus aptes à pouvoir répondre à ces postes, qui vont être pris. Et ceux qui vont fidéliser, c'est ceux qui vont être pris en priorité, parce que si vous fidélisez,
c'est que derrière, il y a moins de publicité à faire pour le club, donc il y a moins de dépenses à faire. Si vous fidélisez, ça veut dire que le club, il continue à avoir toujours un seuil qu'on appelle le seuil de rentabilité, qui est le seuil qui lui permet de pouvoir payer les charges et donc de vous payer vous. Et ça, c'est très important. Donc, demain, ceux qui vont avoir compris que le plus important, c'est de fidéliser, et c'est le plus important, c'est d'aider le club et non pas de travailler sans avoir à un moment donné à… Je vois des coachs qui, par exemple, arrivent 5 minutes avant le cours, qui donnent leur cours, et puis 5 minutes après, ils sont déjà partis chez eux. Alors qu'en réalité, il y a des personnes qui attendent peut-être de leur poser des questions. Et puis, 5 minutes avant le cours, il y a peut-être des personnes qui auraient aimé leur poser des questions aussi ou qui auraient aimé être peut-être accueillies correctement avec peut-être une assistance, surtout les petits nouveaux qui ne savent pas, qui arrivent, qui débarquent dans le club, qui débarquent la première fois dans les cours collectifs, qui ne savent pas qui vous êtes, qui ne savent pas quel matériel prendre. Et c'est vrai qu'il est très, très important d'avoir un nouveau ou de travailler sur un nouveau savoir-être, parce que c'est le savoir-être, le savoir-faire. À la rigueur, vous avez été formé pour ça, mais le savoir-être, c'est hyper important. Donc, l'idée, c'est surtout que vous modifiez votre façon de voir et que vous deveniez des collaborateurs du club, une des pièces qui font que le club, grâce à vous et grâce à toutes les autres pièces, puisse tourner correctement. Et au bout du compte, c'est un cercle vertueux. Et c'est ça qui est important. Je peux rebondir? Tu as mis le mot juste, savoir-être, bien évidemment. C'est la pierre angulaire, le savoir-être. Moi, je fais du recrutement aussi. Moi, je m'en fous. Alors, je fais beaucoup de recrutement au niveau commercial au directeur de club, mais quand j'ai éventuellement des coachs, moi, la chose essentielle, c'est quoi la valeur du club? Et donc, par rapport à ça, je vais chercher le savoir-être qui va correspondre à cette valeur du club. Et on sait tous faire des ponts, on sait tous faire du quad. Et si on ne sait pas, on amène en formation. On a ce qu'il faut en France au niveau des centres de formation. Donc, ce n'est pas ça la question. Et la deuxième chose, je vais te dire oui, mais je vais me faire l'avocat du diable. Souvent, en fait, il y a un manque de discussion entre entre justement le coach et le boss. Le boss, il se dit, pourquoi j'irai le payer plus? Il fait le beau sur le podium. Et moi, je vous dis ça, pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que j'ai eu tous les postes. Donc, je n'ai pas de problème. J'ai fait les douches. J'ai fait du coaching, j'ai fait du plateau, j'ai fait des cours à jusqu'à 1000 personnes. J'ai été manager, directeur, bref, donc j'ai fait tous les postes, donc je sais de quoi je parle. Et il y a un manque de communication en fait par rapport à ça. Donc le coach, on dit qu'il fait le beau sur le podium, et le coach, il se dit putain, mais j'en ai marre de faire des cours en permanence et de faire tous les cours et d'être payé 1 € la chanson de Body Attack. Et en fait, pour moi, il y a un manque de communication. Mais mettez-vous autour d'une table, purée, soyez un team. Et là, installez-vous et dites-vous les choses. Parce qu'en fait, tu dis, le coach, il ne vient pas avant. Mais s'il se sent mal payé, ben, obligatoirement, il va arriver juste à l'heure. S'il se sent mal payé, il va partir limite avant le stretching. Il va se dire, pourquoi j'irai donner plus à ce mec-là qui me manque de respect dans l'absolu? Mais est-ce que vous lui avez dit au moins? Est-ce que vous êtes mis autour d'une table? Et si c'est le cas, et si vous sentez que vous êtes lésé, mais écoutez, regardez-moi bien, mais barrez-vous. Est-ce que vous êtes marié? Et même si vous étiez marié, on a le droit de divorcer. C'est quoi le problème? Vous pouvez divorcer de votre femme. Donc, c'est quoi le problème? Par contre, si vous ne partez pas, arrêtez de vous plaindre à ce moment-là. On ne se plaint pas, c'est génial et on assume. Moi, je vous dis, quand je me sentais plus ou moins bien, j'avais fait le tour du truc, je me barrais. On ne va pas changer le système. Le directeur, il a une stratégie, il a une entreprise. Ce n'est pas vous qui allez changer sa stratégie. Mais parlez-vous, peut-être que ça manque d'eux, peut-être que, voilà. Mais si vous lui dites, ouais, je vais être payé 50 balles de l'heure parce que ça fait 16 mois que je suis diplômé, parce que j'ai un biceps de 56, tu vois, et j'ai été inscrit à la force athlétique. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Créer des challenges. Ok, je suis payé ça. Si je vous remplis ça ou si je vous remplis ça, la carotte, tout le monde est content. Comme tu l'as dit, si les gens, il y a de plus en plus de monde dans les cours collectifs ou ailleurs, ben le club, qu'est-ce qui se passe? Il augmente sa rétention. Donc les gens partent moins, en parlent autour d'eux. Donc ça amène du parrainage. Et lui, en termes commerciaux, il n'aura pas besoin peut-être de mettre autant une enveloppe budgétaire pour aller récupérer les gens qu'il a perdus. Donc en fait, c'est un vrai rouage et c'est un gros problème dans le fitness. C'est un sujet où j'y travaille énormément. C'est ce qu'on appelle la relation client et la relation entre tout cet écosystème du coach, des commerciaux, voilà, tout est enclin. Donc ça, c'est du management malheureusement et ce n'est pas toujours
pas toujours facile dans nos établissements sportifs en France, en tous les cas. Le management, voilà. C'est un métier difficile, mais en fait, il y a un manque de com', je pense, à la base. J'ai rebondi, j'étais un peu long, mais je voulais juste apporter ça. Là, il va y avoir des changements, bien évidemment. Toi qui a été quand même qui a travaillé sur une grande marque, pour une grande marque, et puis pour des grands clubs, est-ce que tu penses qu'il y a des disciplines qui vont avoir tendance à disparaître, mais pas forcément complètement disparaître, mais c'est un peu le terme que je vais donner, à disparaître et d'autres à prendre beaucoup plus d'ampleur? J'ai envie de dire évidemment. Mais j'ai envie de dire évidemment, même sans cette crise sanitaire. J'ai plus envie d'employer le mot qui correspond, mais par rapport à cette crise sanitaire. Parce que le consommateur du sport est en perpétuelle recherche de nouvelles activités. Hein, c'est ce qui fait notre force, mais c'est ce qui fait aussi des fois la perte de certains clubs. Parce que justement, il y a des clubs qui prennent des nouvelles activités, mais ils ne savent pas pourquoi ils la prennent. Ils la prennent parce que le voisin, il l'a pris. Ah, c'est sympa ça. Ah, je vais la prendre. Ah, je vais faire du pole dance. Pardon. Je fais exprès de parler de pole dance parce que je sais qu'il y a une fan de pole dance qui est parmi nous. Donc, sur du pole dance. Le pole dance, ça ne s'invente pas, quoi. Il y a des gens qui savent très bien le faire, quoi. Donc, oui, il va y avoir des nouvelles activités. Et je pourrais citer des activités, tu pourrais me dire, voilà, telle activité, je te dis oui, je te dis non. Je ne sais pas parce que je n'ai pas la science infuse. Des concepts, peut-être que oui. Des concepts Les Smiths, peut-être qu'ils vont être un peu plus obsolètes et peut-être qu'il y aura des nouveaux. La même chose chez Radical Fitness, peut-être que, voilà, c'est. Mais en tous les cas, ce qui est clair, pour moi, la chose essentielle, si vous devez réfléchir à l'activité de demain, c'est dès maintenant, et je le dis dans ma formation, c'est. On a tous un traumatisme par rapport à cette crise sanitaire. Un traumatisme proche ou lointain. Peut-être qu'on a perdu des proches par rapport à ça, mais on a tendance à moins bien dormir. On a tendance à se dire, mais là là, mais le lundi, le mardi, mercredi, le dimanche, c'est la même chose parce qu'en fait, on n'a pas de week-end. Donc en fait, il y a cette ambiance qui est un peu délétère. Il y a même des gens qui disent, ah lui, il est sorti, lui, il n'est pas sorti. Là, on nous dit, mais attention, si jusqu'au 11 mai, vous faites des erreurs, on va continuer. En fait, on est un peu dans une machine à laver. Donc en fait, on a un traumatisme. Il y en a qui vont prendre du poids, il y en a qui ont de l'anxiété, il y en a qui vont se créer du stress interne. Donc, des traumatismes qui vont se voir ou pas se voir. Et en fait, la question essentielle, c'est de se dire, le consommateur de demain, celui qui pourrait rentrer dans les clubs de sport, dans le sens large, donc aujourd'hui, on avait un taux de 8% au niveau du fitness, et on disait, waouh, 8%, c'est génial. Non, mais 8%, ça veut dire qu'il y en a 92% qui ne viennent pas. Donc, moi, je ne me dis pas que c'est génial. C'est-à-dire, pourquoi ils ne viennent pas? Et peut-être qu'on pourrait servir de tous les Français qui se sont mis davantage au sport parce qu'ils ont eu besoin de bouger, parce qu'ils étaient chez eux, parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient plus de temps. Peut-être surfer sur cette vague, justement, les faire venir dans le club, mais peut-être à des activités qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est ça la question. Et de se dire, en fait, quel serait le besoin qui pourrait nourrir tous ces traumatismes? Pour moi, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va avoir besoin de faire plus d'holistique? Déjà, ça a commencé à venir dans les clubs. J'ai certains clubs dans l'ouest de la France, pas loin de la Baule, qui avaient fait ça, qui le font très très bien. C'est-à-dire que on avait dit que c'était une vague qui arrivait anglo-saxonne et qui arrivait dans nos clubs, d'accord? Mais avant cette crise sanitaire. Donc peut-être que là, ça va s'enrichir. Peut-être que les gens vont avoir envie de méditer davantage. Peut-être que les gens vont avoir envie de discuter entre eux. Pourquoi on n'aurait pas le droit de les faire discuter entre eux? C'est qui a décidé qu'on n'aurait pas le droit? Donc, par définition, moi j'irais même encore plus. Moi, si j'étais dans un club, je crois que le planning que j'ai laissé le 17 mars, je ne le reprendrai pas. Je ferai carrément un nouveau planning d'activité. Et peut-être qu'il serait temporaire. De toute façon, il sera temporaire par le nombre, par rapport à la place. Mais en fait, je le ferai peut-être différemment et je le ferai simplement axé pour une seule et unique question. Quel bénéfice je peux apporter par rapport à ce traumatisme de la crise sanitaire? Donc peut-être plus d'holistique, peut-être moins, mais expliquer pourquoi on le fait, quoi. On a besoin de se dépenser comme ceci, on a besoin de se détoxifier, on a besoin de faire peut-être plus de yoga, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moduler. Et c'est le rêve, parce que vous n'arrêtez pas de me dire que vous ne pouvez jamais changer les activités et vous ne pouvez jamais changer les plannings.
parce que Monique, comme elle vient à 10h tous les lundis, elle fait son abdo fessier. Et si tu lui mets à 10h15, elle va mettre le feu au club. J'ai envie de vous dire, carte blanche, vous pouvez tout faire. Parce que l'après-crise sanitaire, on peut tout faire. Donc, c'est peut-être le moment limite d'essayer des choses. Mais essayer, mais pour moi, rester dans la connectique du bénéfice par rapport au traumatisme qu'on a tous eu. On est tous concernés par rapport à ça. Hein, c'est la moitié de la planète est concernée par rapport à ça. Donc, c'est ça qui est important. Mais vraiment, pour moi, il faut axer vraiment. Il faut penser à bénéfice. Arrêtez de penser à caractéristiques. Pensez à bénéfice. Quand je mets ce cours sur planning, qui je vais toucher et pourquoi je le fais? Et quand les gens, ils auront fait ce cours, qu'est-ce qui va en ressortir dans leur bien-être? Et c'est ce qu'on appelle le résultat. Pour moi, c'est d'autant plus. Et on pourrait faire des packs. Moi, ce matin, j'ai encore fait 3 packs par rapport à ça. Des packs spécifiques. Voilà. Et ça, c'est vachement intéressant parce que autant ça s'applique à un club dans lequel vous pouvez travailler, autant ça peut s'appliquer aussi pour les personal trainers. Parce que si vous proposez des activités qui sont, somme toute, dans l'esprit, dans votre esprit, des activités qui ne sont pas des activités de personal training, si vous proposez des activités avec des packs ou des prestations pour justement aider à sortir de ce traumatisme du confinement. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas dire c'est un pack spécial anti-stress, confinement, mais il faut l'habiller. Et pour les personal trainers, souvent, j'ai des personal trainers qui me disent, mais moi, des profs de cours collectifs qui me disent, mais moi je fais pas de je peux pas faire du personal training parce que je fais du yoga, je fais du pilates, je fais du stretching, mais bien sûr que si. En fait, tout simplement, le diplôme vous ouvre droit. Sur le RNCP, le registre national de la certification professionnelle, quand on regarde votre fiche RNCP, quand vous donnez des cours collectifs, parce que vous êtes, par exemple, uniquement diplômé en cours collectif, et il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas faire un cours collectif à une seule personne. Il n'y a rien, législativement, il le dit. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir proposer des cours de yoga à domicile chez le particulier. Vous pouvez proposer des cours de pilates à domicile chez les particuliers. Vous pouvez proposer des cours de stretching. Vous pouvez proposer des cours d'abdos fessiers sans aucun problème. Ce qui fait que pour les profs de cours collectifs qui vont à un moment donné avoir peut-être moins d'heures. Donc, si vous perdez des heures, il va falloir les compenser quelque part. Eh bien, pourquoi ne pas proposer des cours à domicile? Pourquoi pas? C'est ça aussi le personal training. Et puis, les personal trainers qui habituellement font des disciplines, qui utilisent des disciplines, somme toute, classiques en personal training. Pourquoi est-ce que quelque part, vous ne vous formeriez pas en yoga ou en pilates pour proposer justement des disciplines qui vont être en vogue et qui vont être dans les besoins émergents? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Si vous continuez, comme dit Pierrick, à faire toujours ce que vous avez fait, c'est-à-dire ce que vous faisiez avant le confinement, en fait, vous n'allez pas surfer sur la vague des besoins. Vous allez tout simplement essayer d'imposer à un nouveau monde ce que vous faisiez dans un monde ancien. C'est comme si vous proposiez, c'est comme si vous décidiez de vendre encore des télés noirs et blancs, alors que les télés couleurs sont arrivées, et que vous vous disiez, mais non, mais je vais continuer à faire des télés noirs et blancs, et puis je vais continuer à vendre des télés noirs et blancs, parce que de toute façon, j'ai toujours fait ça, et puis ça marchait avant. Mais attention, hein. Je pense qu'il faut penser écosystème, il faut penser 360 degrés. Alors, c'est ce que je disais dans ma conférence, mais il faut penser global. Il ne faut pas penser que le petit cours ou que la chose en personnel ou en cours que je vais donner. Il faut amener en fait une enveloppe au consommateur. Et il ne faut pas se nourrir en disant c'est génial, on est à 8% de taux de pénétration. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les 92% ne passent pas notre porte alors qu'apparemment, il y a jamais autant de gens qui se sont mis à faire du sport? Donc, si vous reproduisez ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi ces gens-là qui ont commencé à faire du digital, pourquoi ils viendraient dans votre club? Parce qu'en fait, ils n'ont peut-être pas la notion de monde club. Et peut-être la question qu'il faudrait se poser, c'est les clubs ou les personnels trainers, qui vous êtes, qui vous voulez attirer et qu'est-ce que vous donnez réellement et limite, qu'est-ce que vous valez? C'est peut-être le moment de se poser la question, qu'est-ce que vous valez réellement? Est-ce que vous valez 40 balles, 60 balles, 90 balles? Qu'est-ce que vous valez en fait? C'est bien joli de dire, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est quoi? C'est peut-être le moment de se poser la question. C'est peut-être le moment de s'auto-auditer peut-être. C'est peut-être le moment de vérifier ce qu'on est aujourd'hui. Et
Peut-être qu'on se trompe. Tout est possible. C'est. Je vais être. En période de tempête, l'après-tempête. C'est. Darwin le dit, hein, c'est exceptionnel derrière. Donc, par contre, c'est exceptionnel, pas pour tout le monde. On en revient au sujet initial. Si on est attentiste et si on attend que ça tombe, peut-être que le lendemain va être compliqué. Par contre, pour d'autres, ça va être. Quand je dis exceptionnel, je ne parle pas que de l'argent. Mais exceptionnel au niveau intellectuel, exceptionnel parce que, il va se passer des choses, parce qu'ils vont rencontrer des gens, parce qu'ils auront une autre clientèle, parce que ci, parce que ça. Mais en tous les cas, rester chez soi et ne rien faire, alors ça marche super bien ne rien faire. Parce que l'avantage, c'est qu'en ne faisant rien, il ne se passe rien. C'est déjà bien. En ne faisant rien, il se passe bien. Je trouve que c'est déjà bien. Là, le sujet, on n'en est pas là. Faut vraiment, vraiment, faut vraiment foncer, quoi. Et c'est un moment exceptionnel pour notre univers du sport, parce que les gens ont compris que, et même on a dit qu'au niveau médical, les gens qui éventuellement avaient une meilleure santé, ainsi de suite, avaient peut-être moins de chances d'avoir le Covid un peu plus fort, et ainsi de suite. Ah, j'ai employé le mot Covid pour la première fois. Donc, mine de rien, on se rend compte que le sport n'est pas une option. Mais le sport, en fait, doit être intégré dans une vie sociale et dans une vie. Voilà, c'est comme se brosser les dents le matin. Voilà. Mais pourquoi, bordel, ces gens ne viennent pas dans nos clubs ou ne prennent pas des personnels traîneurs? Trop cher, je ne sais pas. Il y a des sociétés qui vendent des régimes à 400 balles. Hein. Je ne veux pas les citer, je ne veux pas leur faire de la pub. Donc, s'ils vendent à 400 balles, je m'excuserai, mais vendre un abonnement à 50 balles, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est mauvais. Yes. Par rapport aux grandes marques, parce que c'est vrai que on n'en parle pas forcément tout le temps, mais il y a quand même des acteurs qui étaient, des enseignes qui étaient quand même sur le devant, de la scène dans notre secteur d'activité. Et on peut se poser la question, est-ce que demain, ces acteurs seront toujours présents aussi, de façon aussi importante? Je parle par exemple des enseignes comme Basic Fit, je parle des enseignes comme Les Smith International, je parle comme des enseignes comme Zumba Fitness par exemple. Est-ce que pour toi, est-ce que ces grandes marques, qui sont des love marques aussi notamment, hein, Les Smith, Zumba Fitness, c'est quand même des love marques. Et est-ce que tu penses que ces marques vont avoir autant d'impact qu'avant? Je vais faire une réponse politique, une réponse de Normand. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'elles seront toujours là, et heureusement, parce qu'elles ont chamboulé. Et moi, par exemple, si les Smith n'existaient pas, je ne serais pas là ce soir avec vous. Parce que quand j'ai eu mon diplôme en 95, j'ai fait 6 mois de LIA et de body sculpt. Et à part le Grapevine et à part, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les 3 genoux, les 4 genoux, voilà, c'est tout. Donc, moi, ça a été une révolution pour moi quand je les ai découverts au salon en 97 ou 98 pour la première fois au Parc Floral. Donc, heureusement qu'ils seront là parce qu'ils vont aussi être capables de se renouveler comme ils ont toujours fait, hein, que ce soit Radical, Les Smith, Zumba et tout ça, et d'autres acteurs qui seront là et qui seront encore plus là demain. Après, au niveau des nouveaux secteurs de clubs qu'on a en France, je pense que plus le club, j'ai envie de dire la structure, parce que moi, le mot club, pour moi, a un sens. Plus la structure permet d'accueillir des gens, plus éventuellement il y a une dispersion parce qu'on va moins connaître les gens, ainsi de suite. C'est normal, c'est le modèle économique qui fait ça. Donc là, chacun gère son modèle économique. Mais je pense que les gens, dans un premier temps, et quand je dis dans un premier temps, moi, quand je dis premier temps, et pour moi, une ouverture, pour moi, on va être désorienté jusqu'à minimum fin 2020. Hein. On n'est pas en train de parler du mois de juin. Hein. Jusqu'à demain, fin 2020, on va être complètement déréglé. Parce qu'on aura des masques pendant un certain temps. L'été, ok, super, mais qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, avec toutes les grippes qui vont revenir et tout? Il y a de grandes chances qu'on soit reconfiné une deuxième fois. Hein. Ça va peut-être arriver. Hein. En tous les cas, les hôpitaux sont prêts, pour info. Donc, je pense qu'on va aller vers une notion un peu plus forte de la notion du club. Et quand je parle de notion de club, moi, quand je mets club, je mets proximité. On connaît un peu plus les gens. Je dis pas que c'est un business qui est mieux que les autres, hein, parce que les gens vont peut-être avoir peur d'avoir trop de monde. Donc peut-être qu'ils vont vouloir se rassurer avec peu de gens ou des gens qu'ils connaissent. Et peut-être qu'ils vont vouloir être plus proches de chez eux. Donc peut-être que la notion de club va revenir. Donc des clubs de training,
des box CrossFit, des box de yoga, des box de vélo, des choses comme ça. Faut-il que, évidemment, il y ait le modèle économique qui soit sain et qui soit bien équilibré? Mais je pense qu'on va optimiser ça. Moi, ce que j'appelais, c'est les small locals, c'est-à-dire des petits locaux qui sont en bas des immeubles, ou c'est-à-dire des petites pépinières de sport, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, des choses comme ça. C'est simple, voilà, on se connaît, on fait du sport, on repart, c'est ouvert à tout le monde, voilà, on fait une nouvelle façon de faire du sport. Et bien sûr, si on pouvait optimiser la relation client qu'on a avec ça, et moi je le vois aujourd'hui, et bien sûr en amont du digital, moi je le vois aujourd'hui, les clubs qui ont continué à prélever dans les clubs que je suis, alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Mais il y a plein, 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 plein. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, hein, parce qu'il y en a certains, c'est entre des box CrossFit, des salles de training, même des grandes salles sur Rennes, par exemple. Plus le lien était fort en amont, plus la notion de club était présente et était forte, moins a été le non-prélèvement ou le non-phénomène de solidarité par rapport au club. Les gens voulaient absolument payer pour garder leur club. Alors, je ne dis pas que dans d'autres. Plus le club est gros et moins il y avait l'entité, ça baissait. Mais en tous les cas, il y a eu ce phénomène dans ce sens-là. Donc ça démontre quelque chose. C'est-à-dire, ils appartenaient à un club, à quelque chose. Ils avaient une vraie entité dans ce club. Donc moi, je considère, après ça reste très personnel, je vous dis, j'ai pas la science infuse, que je pense qu'on va optimiser cette notion de club, optimiser cette notion de valeur que moi je prône depuis plus d'un an et demi. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous montrez? Quelle est votre notion? Quel est votre niveau de dire bonjour? Quel est votre niveau de dire au revoir? Quel est votre niveau de relation de client? C'est ça en fait. Et souvent, on peut dire, on a 10 façons de dire bonjour, on a 10 façons de dire au revoir, on a 10 façons de faire des cours, on a 10 façons de coacher un cours. Moi, je pense que c'est là-dessus. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire. Il faut que les gens reprennent encore plus confiance en nous et on oublie tout ce qu'on n'arrête pas de nous remettre à chaque fois en avant. Ce qu'on a vu dans les années 80, 90, alors je ne vais pas nommer les gens, mais parce que c'était extraordinaire, mais on n'est pas en 90, quoi. Jacques Chirac n'est plus le président. Donc, paix à ton âme, mais il n'est plus le président. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut changer de braquet par rapport à ça. Regardez les gens, coachez-les, apportez-leur ce qu'ils ont besoin, un écosystème, de façon globale. Ne vendez plus un accès dans un club, vendez quelque chose de global. Parce que les gens, ils viennent pas, ça sert à rien. Arrêtez de faire ça. Arrêtez, ça ne marche pas. Je pourrais en parler des heures. Ouais, je me doute, c'est cool. On a quand même fait vachement bien le tour de ce qu'on avait envie de voir ce soir. J'espère qu'il reste encore au moins une personne avec nous. Je ne sais pas combien de personnes il reste, mais j'espère qu'ils sont restés fidèles. Oui, au moins un. Ils n'ont pas décroché, franchement, ça veut dire que C'est vrai, c'est génial. Super. intéressant. Merci. Alors, si on devait résumer un peu la chose, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que, un, déjà, il n'est vraiment pas certain qu'à partir du 11 mai, il y ait d'un seul coup une libération intégrale. Donc, il n'y aura pas ça. Il y aura un déconfinement progressif et on sait très très bien que ça va se faire probablement par zone géographique et que déjà les clubs ne rouvriront pas vraisemblablement à partir du 12 mai. Ça, on le sait, on s'en doute et c'est logique en fait, c'est du bon J'ai sens. envie de te dire tous les clubs, hein. Oui, tous les clubs, que ce soit les clubs de clubs Si tout de est changé go. demain, j'en saurai plus, mais pour l'instant, vu ce qu'a dit notre Édouard, d'ailleurs, il n'est pas venu me voir. Je l'appellerai tout Mais à l'heure pour lui dire qu'on l'attendait avec impatience. Excuse-moi, je t'ai coupé, Christophe. il est sur la route là, il vient de m'envoyer un SMS. oui, donc vous attendez pas à ce que les clubs rouvrent d'aussitôt, ça va être compliqué, c'est du bon sens quelque part. Et puis ça va aussi dans l'idée que on doit rester en bonne santé. Donc les conditions sont peut-être pas encore suffisamment là, ne seront peut-être pas encore suffisamment là à partir du 12 mai. Et on sait que on peut pas s'affoler comme ça, on peut pas se dire ouais ça va reprendre d'un seul coup comme ça. Ça c'est la première chose qu'il faut se dire. Et on est d'accord avec Pierrick, c'est-à-dire que là le traumatisme il est tellement profond et on va devoir prendre tellement de dispositions pour rester en bonne santé et pas avoir ce rebond, que là, déjà, si on reprend début septembre, enfin, ou mi-septembre un petit peu,
ça va déjà être pas mal. Mais il y aura une distance, il y aura un laps de temps qui va être très, très important. Donc, vous attendez pas à ce que ça reparte tel quel. Le deuxième point qu'il faut retenir, que Pierrick a dit, c'est qu'il est important. Il est important de travailler la main dans la main avec, entre les patrons de club et les coachs. Alors, cet appel, ce qu'on dit là, ce n'est pas que pour vous, les coachs, c'est aussi pour les patrons de club. Et je sais qu'il y a des patrons de club qui nous regardent ce soir et qui sont vraiment dans cet esprit-là, qui travaillent déjà avec leur coach de façon à faire quelque chose de très, très bien. Il y a déjà un patron de club de Montpellier qui est ici, qui nous regarde et qui est, avec qui on discute régulièrement et qui est vraiment quelqu'un avec un très, très bon esprit. J'adore. En tout cas, essayez de travailler main dans la main. Essayez d'aller les uns vers les autres, que ce soit les patrons de club, que ce soit les coachs. Discutez, trouvez des stratégies ensemble. Essayez de vous comprendre. Essayez de vous dire que les clubs dans lesquels vous travaillez, c'est aussi votre gagne-pain. C'est-à-dire que si le club ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas fait les efforts nécessaires derrière, peut-être que vous allez perdre votre job. Vous avez tout à y gagner de travailler main dans la main. Et puis, dernière chose, c'est que, bien évidemment, ce que vous faisiez hier ne sera peut-être plus valable demain. Donc, ce que vous aviez comme type de discipline hier, avant le confinement, eh bien, il va peut-être falloir revoir un peu vos compétences, retravailler encore, comme vous le faites pour certains, sur de nouvelles disciplines. Allez voir à droite, à gauche ce qui se fait. Commencez à vous préparer psychologiquement, à avoir une vision qui est globale, mais vers le futur, pour vous dire aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui, mais de toute façon, il faut absolument que j'ai une vision pour demain. Ce qui s'est passé avant, à la rigueur, on fait table rase et puis on essaie de définir une stratégie par rapport à des besoins qui vont apparaître suite à cette crise, sanitaire. Et il y a des nouveaux besoins, il y aura des choses qu'on ne pourra plus faire, bien évidemment, qu'on ne pourra plus proposer. Eh bien, donc, il faut travailler sur ces trois axes-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est comme ça qu'à mon avis, les coachs pourront s'en sortir vraiment, vraiment mieux pour ceux qui se seront donné la peine. Pierrick, tu aurais quelque chose à rajouter? Non, trois points. Oui, alors évidemment, je valide ce que tu as dit. Premier point, oui, on a hâte de reprendre. Vous avez hâte de reprendre de façon économique, de façon parce que ça vous brûle les doigts. Et vous dites, moi, il y en a certains qui m'ont dit, d'ailleurs, ils nous regardent ce soir. En Vendée, ils nous regardent ce soir. Et il m'a dit, mais moi, je peux réouvrir. Mais bien évidemment que tu pourrais réouvrir. Mais la question, ce n'est pas de dire, je peux réouvrir. C'est que on correspond à des règles, à un ensemble, voilà, une globalité, à des règles sanitaires. Donc, bien évidemment, certains, vous pourriez vous réouvrir. Donc, ça, c'est le premier point. On a hâte, mais on n'a pas le choix. On est tributaire de ce qu'on nous dit en termes ministériels. Le deuxième, pensez vraiment stratégie. Mais pensez stratégie, bien sûr, la stratégie côté hygiène et tout, mais pensez vraiment au-delà. Si vous pouviez… Si ça peut vous faire upgrader en termes stratégiques, ça serait super, juste cette crise sanitaire. C'est vraiment le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en fait, demain, quand vous allez être avec quelqu'un, je fais exprès d'employer ce mot-là, être avec quelqu'un, quand vous serez dans votre situation professionnelle, vous direz, il ne faut plus que je lui parle, mais il faut que je la coach. Pour moi, ça serait le troisième point. Et le dernier point, et je vais prêcher pour ma paroisse, si vous voulez me retrouver, donc sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, et puis mon LinkedIn, donc c'est Pierrick Limousin, qui consulte, donc K-E-Y et K-O-N-S-U-L-T. Ce n'est pas un C, mais un K. Voilà. Christophe, en tous les cas, c'était, j'ai adoré. C'était une super soirée. J'espère que pour tout le monde, c'était la même chose. Voilà. Bah, c'était ce que cool j'avais de te retrouver. C'était ouais, cool c'était de te retrouver. Cool. D'habitude, on se fait toujours un restaurant dans le 13e arrondissement. Là, ça va. On va le reporter. Dans cette période, trois par an. Et là, surtout, c'était le quartier du 13e. Donc, bon. C'est clair. Bon, merci. Merci infiniment de nous avoir. Merci à vous tous, en tous les cas. L'invitation, ta visite. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on sera sur notre 8e semaine. 8e semaine. Non, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. D'accord, je ne serai pas là, non, je rigole. Ah ben, tu seras peut-être là, on va savoir, il y aura peut-être ta tête par ici ou c'est peut-être ça. Par là, va savoir. Je peux te mettre en vignette éventuellement.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ça va être un peu particulier. La semaine prochaine, je vais être face à vous et je vais répondre à toutes vos questions. C'est-à-dire que durant la semaine, vous allez avoir la possibilité de poser sur un questionnaire, poser des questions qui vous trottent un peu en tête, que ce soit par rapport à aujourd'hui ou peut-être demain, l'après-confinement. Et donc, on va essayer d'y répondre le plus possible. Donc, on aura une webconférence en face à face à répondre à toutes vos questions. Ce ne seront pas les questions que vous pourrez poser par chat parce que sinon, on risquerait de perdre du temps. C'est des questions que vous aurez posées en amont sur le petit module que je vais vous mettre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur ma page Christophe Batz Formation, la page Facebook. Bon, donc vous pourrez poser vos questions. Et puis, dans 2 semaines, je vous réserve encore une surprise avec un nouvel intervenant de qualité, comme Pierrick, qui nous parlera cette fois-ci d'autre chose. On va carrément passer sur une autre vision de notre métier et je vous en dis pas plus, ça sera dans 15 jours. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, 20h30, comme tous les mardis soirs, pour encore augmenter la valeur de ce qu'on peut vous apporter dans 15 jours également. Et puis, on ira peut-être même un petit peu plus loin, allez savoir, parce que le confinement, c'est peut-être pas complètement fini. Très bonne soirée à tous. Merci Pierrick, à très bientôt. Merci à tous et peut-être à la formation du jeudi 7. Voilà, je démarre les ouvertures dès ce soir, dès la minute quand je raccroche. Merci, merci beaucoup Christophe et merci à vous d'être là, il est 21h50, merci. Allez, restez forts, on vous embrasse, on vous dit à très très bientôt et continuez à regarder vers l'avenir.